Bonjour à tous, il est 6h du matin. Nous sommes jeudi 8. Donc je me suis réveillée à 4h30. Comme ça, vous verrez peut-être mieux. Je me suis réveillée à 4h30. On est parti à 5h. Donc j'ai conduit à peu près 1 heure, le temps d'aller chercher son collègue, d'aller à leur entreprise, les déposer et de rentrer. Je suis fatiguée. Donc je vais aller me rallonger une petite heure. Parce que normalement, je me lève qu'à 7h. Et comme il est 6h, je me dis, je vais m'allonger une petite heure. Même si je dors pas, je vais me reposer. Donc j'ai laissé Kiara, donc 1 heure. Et voilà, le magazine Tati, eh ben, il n'y a plus. Voilà. Merci Kiara. Bon. Ben voilà quoi. Donc, je vous retrouve un peu plus tard. Il est 7h37 précisément. Du coup, je me suis pas endormie. Donc oui, je me suis pas endormie. J'ai fermé les yeux une demi-heure. Après, j'ai regardé des vidéos, tout ça, tout ça. Donc voilà, ça m'a passé le temps. Je viens de me maquiller. Franchement, en ce moment, j'ai des boutons. C'est une horreur. Je ne sais pas ce qui se passe. Nous allons ouvrir les calendriers. Chez Sephora, nous avons un blush. Donc ce matin, je suis contente. C'était presque rare. Hop, voilà, je vais peut-être me... Je suis désolée, ça bouge. C'est un peu un saumon. J'ai mis là, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, c'est un discret saumon. Je suis contente parce que bon, ces derniers temps, les cadeaux chez Sephora, c'était pas du luxe. Et sur celui-là, c'est une grande case. J'ai peur de tout casser. D'accord, bon. Nous avons une autre petite palette, comme ceci, pour les yeux, avec un petit pinceau. Donc là, ça fait deux palettes en peu de temps. Bon, elle est mignonne, hein, mais voilà, ça commence à se remplir. Mon petit truc pour ranger tout. Donc voilà pour les cadeaux, je suis quand même contente, Sephora aujourd'hui, tant mieux. Donc voilà, j'ai enfin mis du... J'ai mis un melted, le chocolat, je sais plus trop quoi. Donc voilà, j'espère que ça va pas m'assécher les lèvres, parce qu'en ce moment c'est pas le top top. Donc voilà, je vais finir de me préparer tranquillement. Je vais partir au travail quoi, j'ai l'impression que ma journée elle est déjà depuis... Depuis des heures, quoi. Alors je n'ai rien fait encore. Je n'ai pas encore travaillé. Aujourd'hui, je travaille de 9h à 10h, de 11h à 13h. Et il me semble de 16h à 17h30. Et après, j'ai kiné. Je crois que ma journée, c'est ça. Donc ça devrait le faire. Mais bon, à mon avis, ce soir, je vais être naze quand même. Donc voilà. Donc voilà, j'ai commandé les croquettes de Kiara. Parce que oui, je les commande sur internet. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre de les recevoir. Je les aurai normalement lundi ou peut-être. Non, demain ça m'étonnerait quand même. Mais bon, on ne sait jamais. Je suis bien arrivée devant chez la dame. J'ai une demi-heure d'avance. De toute façon. Avec les bouchons et tout, ben je préfère être... Ah, la lumière se coupe. Je préfère être en avance plutôt qu'en retard, n'est-ce pas? Donc je préfère partir plus tôt parce qu'il y a des fois où je tombe dans les bouchons et des fois comme là ou pas du tout. Donc je préfère, même si j'attends, bah tant pis, je vais lire un petit peu et puis voilà quoi. Et je vais commencer ma journée, mais j'ai l'impression que ma journée elle a commencé, qu'on est déjà dans l'après-midi quoi. Mais pas du tout.
Donc je sens que la journée va être longue, très longue. Je comprends pas ceux qui disent la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bah franchement, moi je veux bien laisser un bout de ma journée, hein. Vous allez vous dire, non mais la fille elle se plaint, parce qu'elle se lève tôt. Ouais, parce que je dors très très mal la nuit. Et en fait j'ai très peu d'heures de sommeil la nuit. Moi là ça a été cette nuit quand même. Donc du coup bah, je suis rapidement fatiguée. Donc voilà quoi. Je sens que ça va être une bonne journée. J'étais tranquillement en train de rouler quand il y a une personne âgée qui déboule. Je ne sais pas si elle avait un stop ou un CD le passage, mais bon. J'ai eu le temps de piler et de me mettre bah, vite sur le côté, quoi. Donc ma voiture a rien. Elle, je pense qu'elle a rien non plus. Bref, je suis un petit peu super, quoi. Non, mais les personnes âgées, enfin, il y a un moment, faut arrêter de conduire, quoi. En plus, enfin, je m'occupe de personnes âgées, donc je sais. Voilà, je connais. Il y a un moment, quand vous faites plus attention, faut arrêter de conduire, en fait, parce que ça devient dangereux. Enfin, moi, je suis tranquillement sur ma route prioritaire, et là, je sais pas. Bah tiens, un stop, hein, c'est le passage. Oh bah non, je vais passer, c'est pas grave. Bah non, ça ne marche pas comme ça. Du coup, je suis un petit peu. Première fois que j'ai failli avoir un accident. Donc, je suis ravie. Heureusement, je vais vérifier ma voiture, tout ça. Il n'y a rien. Donc, je pense qu'elle m'a pas eu le temps de toucher vu que je me suis vite déportée sur la gauche. Mais bon. Donc voilà, je suis encore beaucoup en avance vu que. En fait, j'ai que 6 minutes de trajet et non 10 minutes. Et enfin, je finis ça à 10h. Donc, il doit être 10h10 là à peu près. Et je reprends à 11h. Donc je vais continuer de lire. Je vous parlerai du livre vraiment parce que franchement il est bien. Donc voilà. Devinez où je suis. Je suis avec ma collègue, je vous préviens. Action! Alors je vous retrouve, il doit être 19h20, quelque chose comme ça. J'ai pas pu vous filmer Action parce qu'il y avait énormément de monde. Donc j'ai pas pu, hein, vous imaginez bien. J'ai fait quelques achats. Donc tout d'abord, j'ai acheté pour le haut du sapin 1,89 €. J'ai acheté des petites boules en forme d'étoile qui étaient à 1,19 €. J'ai ensuite acheté des boules roses à 1,49 €. J'ai aussi acheté la palette blush contour, tout ça, qui était à 1,99 €, donc pas cher du tout. J'ai acheté aussi deux planches d'autocollants pour une très bonne amie à moi, mais bon, ça, ce sera ça, enfin, ce sera sa surprise. Faut que je lui envoie, donc je vais pas le montrer, je vais pas le montrer là, bah sinon je suis KO, hein. Comment vous dire? Je rentre tout juste du kiné, je suis fatiguée, je pense que je vais même pas manger, je vais aller me doucher, me coucher parce que voilà, j'en peux plus. Donc j'ai filmé, j'ai pas trop filmé encore aujourd'hui, décidément. Donc voilà, j'espère que demain je filmerai un petit peu plus. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye!